On va reprendre un peu nos petits fanarts, ça fait très longtemps, on nous en a proposé, on nous a dit « Ouais, je vous ai connu grâce à ça, ça me manque et tout ». On s'est dit « Allez, on va leur faire un petit plaisir ». Et en même temps, on vous fait connaître des petits artistes, alors c'est sympathique. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va reprendre, on en a déjà fait je pense ce genre de vidéo, des changements de sexe dans l'univers de Disney. On en a fait deux je crois. Bien, je crois que c'est ça, j'ai pas osé le dire, mais je crois qu'on en a fait deux. Je crois que c'est ça. Donc ceux-là sont faits par Miran. Donc, ouais. Merci à tous ceux qui nous envoient plein de fanart au pif. Mais attention, on accepte plus ceux où il n'y a pas les noms. On a une... c'est trop... comment dire? Ça craint. Tout simplement. Alors nous allons commencer tout de suite. Alors... Sympa. Alors tant que je m'y fasse, j'avais pas... Ouf. Oui, moi non plus. Donc on a Clopin et Phébus, n'est-ce pas? J'adore Clopin, mais j'adore Phébus, Clopin. Ça fait travesti. Non, c'est pas méchant, mais franchement, en plus il a la main sur sa poitrine. Ah mais oui, mais ils lui ont fait de la poitrine. Oui, c'est ça, c'est, oh, j'ai mis 2 secondes à réagir en fait. Ah oui. Mais c'est bien fait, hein. Ouais, mais il y a... Ou sinon ça fait une femme forte. Mais il y a quelque chose... Non mais Clopin, c'est... Clopin, ça pourrait le faire, ça pourrait être un personnage féminin pour le coup. J'adore Clopin, ouais, Clopine. Clopine. N'oubliez pas de nous dire vos préférés en commentaire et au pire ce que vous pensez de chacun des dessins. Ça nous intéresse beaucoup aussi de voir quels sont vos préférés. Ah mais Phébus, il a les cheveux longs du coup. Oui. Tu vois, je viens juste de... Sur Phébus, t'arrives pas ouais, à... Ouais, non, je viens juste de capter là. Sur Phébus, t'arrives pas à bien faire le... Non, je le préfère en homme finalement. Oui. Mais par contre, Clopin, bien. Oh. Ah pareil, il faut un temps d'adaptation. Du coup, Erika... On dirait sa fille. Oui, voilà. Bah, ils ont vachement construit Mélodie par rapport au trait de... Eric. Ouais, bien sûr. Ils ont assuré, j'ai trouvé. Bah là, du coup, ça fait un peu la vie d'Adèle. Je sais pas si tu l'as vu. C'est vrai, ouais, bah, ça fait quand même féminin du côté de... Ils auraient dû lui faire pas la grosse mèche significative de Ariel. D'Ariel, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Sinon, c'est magnifiquement fait, attention. Hein. Oui, non, c'est très bien fait. On hein. se permettrait pas. Ah, alors, pour le coup là, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant, ouais. Eric fait il plus fait moins Esmeralda. Ouais. C'est vrai. C'est. Mais hélas, toujours Ariel fait toujours fille. Bah ouais, désolé, c'est ça, c'est sa grosse mèche devant là. Ouais. Ça reste trop. Ça féminin. Reste Ariel. Mais Eric est plus intéressant. Ouais, c'est vrai qu'on dirait plus un bohémien. Je pense que c'est qu'à l'époque, tous les personnages se ressemblaient, surtout féminins. Il y avait beaucoup les mêmes traits. Hein, et du coup, là, le fait d'avoir juste mis des boucles d'oreilles, cette coiffure, fait peut-être un peu penser à Esmeralda. Ouais. Ah. Oh. Ah. Bah, Kida... Kida, pourquoi pas? Ça fait masculin. Ouais, encore. Mais alors, Milo... Il est au bout de sa vie. Ouais. Ouais, non, je sais. Non, j'accroche pas, là, celui-là. Non, franchement. Mais Kida, elle a rien changé, enfin... Bah, les traits sont plus carrés. Ouais, mais je trouve que... Celui-là est... Je trouve qu'on pourrait toujours penser que c'est une fille. Ouais, mais Milo... Non, Milo, non. c'est bizarre, en fait. Non, c'est bizarre, oui. Après, l'artiste a fait en sorte que les cheveux concordent. Oui. Voilà. Mais je sais pas. Encore Kida, ils ont pas touché au papa du coup. Non, ouais, parce que ça aurait été bizarre. Mais là, par contre, ça fait plus garçon. Là, ça fait plus garçon. Ouais, là, oui. Bah, là, il y a des muscles. Ouais, c'est plus dessiné en haut un corps d'homme. Et le nez est bien carré. Non, là, non, oui, non, ça là, va. Là, là, ça j'aurais va peut-être enlevé la boucle d'oreille. Ouais. Mais les cheveux, ouais, ça va. Et encore, il y a des hommes qui portent des boucles d'oreille. Mais ça prouve que l'artiste doit être fan de Atlantide parce qu'il y a quand même 2 dessins de l'Atlantide. Ouais, c'est vrai. Il y a 3. 3 dessins. Et là, je trouve que Milo est plus convaincant. Là, sur ce dessin précis, au niveau du dessin des yeux, de peut-être la bouche, du nez, par rapport au premier dessin. Bah, il était plus en arrière-plan sur le premier aussi, donc on voyait pas très bien. Mais c'est plus convaincant, ça mais me là... fait penser à Tarzan. Je sais pas, un peu plus, l'ambiance ouais. L'ambiance me fait penser ça à Tarzan. Ça fait un peu Tarzan. Jane, Tarzan. Bah c'est pareil, c'est le fait de laisser les cheveux longs. Après attention, le travail sur le visage est génial, ça fait plus masculin. Mais ça me rappelle moi la bête quand il se retourne en fait à la fin. J'ai pas osé le dire. En
fait, ils sont frères et sœurs. Ouais, voilà, c'est ça. On dirait presque Adam. Adam. Mais sinon, le travail est bien fait, parce que c'est vrai que ça fait plus masculin. Oh, qui c'est? C'est Aladdin. C'est Jafar? Aladdin. Non, c'est Aladdin. C'est bizarre. C'est très bien fait. Bah, on dirait Cléopâtre. Mm. Mais les cheveux sont beaucoup trop réalistes par rapport au Disney en question. Ouais, ouais. Mais sinon, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Ça aurait été une femme tout le long comme ça, je pense que ça aurait pu être très classe. Celui-là. Gaston. Ah, trop sexy, j'adore. Non, mais il est classe. Il est bien. Il est bien. Ah, on dirait belle. Oui. En mode Gaston. C'est ça. Ah, il est cool celui-là. Non, franchement, pour l'instant, c'est mon préféré. Ah, ouais. Je l'aime bien. Ah, celui-là. Le Gaston convaincant, quoi. Ouais. Alors, avant, après. Alors. Donc. Il faut rester sur le côté nouveau, du coup. Regarde la bête, j'adore. Ça pourrait être un homme, encore une fois. Et Belle pourrait être une femme. C'est vrai, hein, avec pas beaucoup de poitrine, et alors. Mais sinon... Bah ouais, moi je... Le travail est magnifique, mais il y a quelque chose. En fait, c'est pas le bon plan, je pense. Son regard. Un peu fragile et léger, comme un espoir. Mon ami. Bon, bref, j'aurais pas été capable de faire ça, c'est sûr. Non, non, on le reprécise, on n'est pas méchant, mais c'est juste que on dirait juste un dessin différent. Mais j'aurais vu ça, j'aurais pensé à la Belle et la Bête. J'aurais pas dit ah tiens, ils ont échangé de sexe. Bah ouais, moi aussi. Ouais. Alors ça, par contre, ça a l'air rigolo. Attendez, on va zoomer parce que hop, c'est sympa. Ah, c'est pas bon. Si, si. Gaston est convaincant en général. Hein. Je retire. Si, si, Gaston est bien. Hein. J'aime bien. Gaston. Surtout la mise en scène comme ça. Mais Belle, pareil. C'est pas. Le problème, c'est les cheveux longs. Bah, c'est ça. Peut-être, hein. C'est ça. C'est. Mais ça marche, hein. Je trouve que ça marche avec Gaston. Tu trouves pas qu'il. Bah, Gaston, hein. Elle est belle, hein. Oui. N'empêche, c'est vrai, hein. Elle me rappelle la mère de Réponse. Comment elle s'appelle? Que moi. Comment elle s'appelle? J'ai perdu son nom. Gothel. Oui. Mergothel. Un peu. Ouais, non, j'aime bien celui-là. Écoute, que. En fait, c'est la petite frisette. Ouais, celle-là, ça fait tout la frisette. Là, on dirait plus une fille. Là, je suis d'accord. Quand même, par rapport à notre dessin. J'espère que c'est les mêmes. On dirait un. Si ça se trouve, il y a deux artistes, je suis en train de me dire. Eh ben, entre je sais pas, c'est possible. Et... Ah oui, c'est possible. Je mettrai un slash dans le titre. Encore une fois, la personne qui nous a envoyé ces photos, j'espère que. Non, c'est bien. J'aime bien. C'est bien, ouais. Oh, la tête. Ça fait plus féminin, mais cette tête me faisait toujours peur dans le film. Donc ouais. Au final, là que ça me fasse peur, au final ça là, veut dire ça que ça marche. Oui. Mais ça fait peur, ça fait rigoler. Non, c'est marrant. C'est bizarre. J'aime bien. Ouais. C'est mignon. Ah, bah là c'est intéressant. Là il y a du boulot. Ouais. Enfin il y a du boulot, il y a toujours eu du boulot. Mais là c'est intéressant y a, parce que y a quelque chose. C'est d'après la photo d'Adam. Oui. Vous savez quand le portrait. Ouais, griffe, ouais. Là. Ça a bien et ben c'est bien. Là ça fait vraiment peinture, on dirait ouais. Que c'est dans le film. Ouais. Là franchement c'est double c'est travail. Bien fait, là. Ouais. Très intéressant. Encore une fois Gaston, ça marche très bien. La personne mais non, mais elle est sexy Gaston. Miran ou Miran qui a fait les dessins. Il doit aimer ses scènes en plus. Oui, je pense. Mais c'est très joli, j'aime bien. Et là, tu vois, c'est con, mais rien que de dos, je trouve qu'il fait plus masculin que quand on voit son visage. Bah, ça fait plus penser à. John Rolfe. Le retour. Encore une fois, c'est toi qui as gagné. Ah, d'ailleurs. Regarde, tiens. De quoi? Dans le Disney épisode. Tout le monde aurait voté ah, Team oui. Princesse. Bah oui. Mais là, c'est sympa. Temps, hein. Là, c'est sympa aussi parce que c'est tiré film. Du film. Mm-hmm. Ah ouais, c'est magnifique. Donc là, on. Ouais. Emma Watson. Mais ouais, je n'en peux plus. Non, j'aime bien. Là, ça aurait été intéressant de faire l'inverse. Ouais. Le beau et la bête. Ouais, ouais. Ah, pas mal. Ah, là, c'est cool. Ouais. Ah. Et dis donc. Meg. Ouais. Toujours l'air vicieux, tu sais. Ouais. Ah, elle est pas mal celle-là. Ouais, les deux sont pas mal du tout. J'aime bien. Oh. Alors là, Coco. J'adore et je sais pas quoi dire. Ouais, c'est ça. Attends, on est d'accord que c'est Pocahontas et John Smith. Bah oui, c'est obligé. Ah, le bleu et j'ai les l'impression cheveux. Que c'est Coco. Bah ouais, parce que le. Mais Pocahontas est blonde. Enfin,
Donc ils ont inversé de couleur de cheveux en fait. Pocahontas c'est pas blonde. Non mais oui mais... Oui non c'est John Smith pardon. Oui voilà, oui parce que je tu m'y crois... perds. Oui m'y parce m'y que perds. Du coup tu crois que Pocahontas. Mais oui. Et... bah oui mais non oui non non. Je m'y perds oh là là. Non mais c'est super. C'est très bien fait mais j'arrive pas à voir qui est qui en fait. Tu. Bah oui parce que du coup c'est tellement bien fait que tu mais prends oui la femme pour Pocahontas. Bah c'est ça. Non 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 mais c'est bien. Ah ouais. Non là c'est bien. C'est prenant là quand même. Là tu croirais que c'est dans le film. Bah hein, ouais. Vraiment. C'est pour ça que ça t'a perturbé. Mais c'est ça. Oh là là. Oui. On dirait E.T. Bah Quasimodo, on dirait encore un homme. On dirait E.T. Après, ça va pas être évident de le féminiser, je conçois. Et bah. Esmeraldo. Esmeraldo, pourquoi pas, mais il reste très. Très féminin. Androgyne. Androgyne. Après voilà, ouais. Mais sinon c'est très. C'est là, très... il est très très fin. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a Quasimodo. Mais Quasimodo, Quasimodo me fait peur, moi. Qu'est-ce que c'est? Les sœurs d'Ariel. Ah punaise. C'est les sœurs d'Ariel, c'est bah, obligé. Bah je crois, oui. Du coup, comme j'arrive pas à situer la scène... Mais oui, il a du pour le coup, on dirait deux garçons, c'est sûr. Rien à dire. Mais est-ce qu'il a été entièrement redessiné ou est-ce que c'est une scène? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Corrigez-nous, engueulez-nous en commentaire. Ouais. Oh. On dirait deux sœurs. Ouais, c'est punaise, pas mal. Mais dis donc. Oh là là. Et regarde. Oh là là. Bah du coup ils ont pas mais touché Jasmine. Jasmine hein. Elle a pas été touchée, voilà, non, on est d'accord. Je pense pas. Donc on dirait deux sœurs. Hein. Mais la danse c'est rigolo. J'aime ah bah bien. Oui c'est rigolo. C'est oui. C'est rigololo même. C'est nul. J'aime bien. Ah je la trouve rigolote. Pas mal celle-là ouais. Ouais franchement je la trouve rigolote. Ben Belle fait plus homme là. Ouais ouais. Avec ouais, les ouais. Cheveux détachés alors comme alors ça, qu'il non. A les cheveux longs. Ouais ouais ouais. J'aime bien. Ah, bien celui-là. La Yago. Ah il est excellent celui-là. Jaffra. Jaffra. Aidez-nous aussi. Mettez ce que vous pensez de noms que vous donnerez si vous avez changé. Il est très. J'adore celui-la. Ah ouais, il est franchement. La tête de Yago, c'est. Ah celui-là il est excellent avec le vernis et tout. Non j'ai. Les ongles manucurés. Ça fait très femme. Ça passe. Ah bah là oui. Franchement ça passe. T'arrives? Oh. Alors ça, je m'attendais pas à celle-là. Pas mal, ça fait penser. Bah ça fait penser aux singes dans les filles, dans les dessins animés de Timon et Pumba. Oui. Quand c'est elle vrai. Qui prend pour ses enfants. C'est vrai. Ben, comme quoi hein. Ah, ouh! Ujidjo! Elle est toute nue! Bah ben oui, parce que Tarzan, à la base, il a juste un. Bah ouais, est-ce qu'ils ont essayé de faire un truc pour la. Non, je sais pas. Du mais coup, il a le menton moins. Ouais, mais très, 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 très convaincant. Oui, convaincant. Franchement, ouais, ouais. Je vois le film comme ça, ça me choquerait pas. C'est très beau. Oh! Mignonne! Oh, c'est pas. Y a pas. Bah, Mowgli, de toute façon, déjà, on sait pas trop. Y a pas un travail énorme, mais non, c'est normal. Mais, ça... mais c'est très mignon. Ouais. Bah, il me rappelle la petite qui va à la fin. La petite indienne qui ouais. Va à la fin, en fait. Je m'en vais à la rivière. Très jolie musique. J'adore. Ah, bah, encore bah, un la peu. Même avec un peu moins, un peu moins bien. Ouais. Je sais pas pourquoi. Y a un truc qui. Peut-être parce que la gravité des cheveux devrait tomber sur ses épaules plutôt que tomber sur son dos, mais... C'est possible. Sympa, ouais, ça va. Ah, attends, on va zoomer là, par attends, contre. Attends, qui c'est là? Donc c'est Maléfique et Philippe. Ah, Philippe! Philippette. Et pourquoi ils ont pas changé Maléfique? Je crois qu'ils l'ont un peu changé, hein. Il y a quelque chose. Je connais Maléfique. Je connais. Je crois qu'il y a quelque chose. Les ongles, peut-être qu'ils sont plus... Les mains ont l'air plus grosses. Peut-être que je me trompe, mais il y a un truc dans le regard, il y a un petit truc. Mais sinon, Philippe, pas mal. Bah, Philippe, après, ouais, c'est peut-être bien. Un peu trop cliché, la petite couette. Oui. C'est peut-être ça ouais. Qui fait un peu cliché. Ouais. Mais sinon, j'aime bien. Non, c'est bien. Oh. Mais voilà, encore une fois, là, ça mèche. Ouais. Il faudrait trouver une... C'est une fille, hein. Ouais. Et encore un peu moins que les autres. Peut-être à cause d'un truc dans le visage. Mais c'est vrai que cette mèche trahira toujours les Ariel masculines. Mmh. Et voilà, voilà, on a fait le tour. Donc toi ton préféré, moi c'était Jaffra. Jaffra est pas mal.
J'ai bien aimé Hercule et Mégara. Oui. Et voilà, dites-nous votre préféré en commentaire. Votre préféré. On se retrouve pour le prochain fanart. À bientôt. Salut.